Réunis le 13 décembre 2015 à Alger, les responsables des services de police africains ont ratifié les textes juridiques relatifs au lancement d'Afripol, le mécanisme de coopération policière africaine. La création de ce dispositif continental, qui sera opérationnel en 2016, a pour but d'améliorer l'efficacité des services de police africains. Ce cadre pourra justement permettre un échange d'expériences entre les pays et notamment permettre à l'Algérie de partager son expérience, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ici une volonté de lutter contre le banditisme également, qui a des liaisons avec le terrorisme. Il y a des collisions entre ces deux phénomènes. Et c'est le but de cette organisation. Une fois mise en place, l'Afripol permettra l'élaboration d'une stratégie africaine harmonisée de lutte contre la criminalité et l'évaluation de l'application des programmes d'appui et d'assistance initiés par les organisations internationales au profit des polices africaines. Avec un siège en Algérie, le mécanisme contribuera au renforcement de la lutte contre le terrorisme, le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et autres menaces sur le continent. La création de cette force est une des solutions pour permettre de lutter contre le banditisme et le terrorisme. Néanmoins, il faudra voir si les questions d'opérationnalité seront résolues, parce qu'on peut avoir cette volonté politique, lutter contre ces phénomènes-là qui déstabilisent de nombreux pays africains, mais il faut voir derrière quels sont les financements qui vont être apportés au sujet de cet objectif-là. Face aux urgences sécuritaires en Afrique, l'Afripol est annoncée comme un instrument de coopération internationale capable de préserver la paix et la sécurité sur l'ensemble du continent. L'idée de la création d'Afripol avait connu un tournant décisif lors de la 22e conférence régionale africaine d'Interpol, tenue en septembre 2013 dans la ville d'Oran en Algérie. La quarantaine de chefs de police africains qui y avaient pris part s'était engagée à mettre en place une stratégie capable de garantir la sécurité à travers le continent.